Vous aussi, ça vous fait penser au pilar? Ce n'est pas ça. Wie de milieuwetgeving niet naleeft, kan een boete krijgen. Zo'n boete noemen we een alternatieve administratieve geldboete, oftewel een AAG. De uiteindelijke bedoeling ervan is dat er geen overtreding meer bestaat op vlak van leefmilieu, energie en dierenwelzijn, doordat degene die een boete krijgt zich in orde stelt en tegelijkertijd ook in de toekomst geen overtreding meer begaat. Les amendes, c'est notre affaire à tous. Que l'on soit professionnel ou citoyen, on se doit de respecter les seuils en matière de bruit, de gérer correctement nos déchets, de respecter les conditions d'exploitation du permis d'environnement pour notre parking, ou encore de prendre soin de notre chien. Et en fait, en tant que Bruxelloises et Bruxellois, nous avons toutes et tous intérêt au respect de ces règles. 2019, c'est l'année de l'amélioration des procédures et des courriers pour employer une structure et un langage plus compréhensibles pour tous. Aussi, depuis plusieurs années, fini les piles papier. Nous gérons nos dossiers de manière dématérialisée. En 2019, nous avons ajouté un QR code à tous nos courriers. Il permet de télécharger une copie et de la transférer en un glissement de doigt. 2019, c'est aussi la mise en place d'une communication plus accessible et adaptée pour être au plus proche des gens. Par exemple, nos pages web sont plus lisibles et didactiques. Nous avons également développé des capsules vidéo simples et ludiques disponibles depuis n'importe quel écran. Les amendes ne se limitent pas à sanctionner les infractions. Elles constituent un élément majeur de la politique de prévention de Bruxelles Environnement. Elles sensibilisent au respect de la législation environnementale en matière d'énergie et de bien-être animal. Dans notre vie privée ou professionnelle, nous sommes toutes et tous concernés par l'amélioration de notre cadre de vie.